Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour le quart de finale de Ligue des Champions. Oui, c'est ce soir le match aller. On va d'abord jouer face à Saint-Étienne pour se chauffer un petit peu. Mais oui, gros match face à City. Ça va être le match aller. C'est malheureusement à domicile. Hein. Voilà, le tirage nous envoie à l'extérieur pour le match retour. On n'aime pas trop. Hein. On aime bien quand on est justement, et eh bien euh, voilà, euh, concrètement, quand on est à domicile pour le match retour. Ça nous permet de voir un petit peu, de jauger. Et puis s'il y a eh bien, des prolongations, forcément, tu les fais devant ton public. Là, ça ne sera pas le cas. Donc, quart de finale, en tout cas, face à City, Tottenham, Juventus, Chelsea, Manchester et Bayern Munich, Newcastle. Voilà le tirage. Si on passait hypothétiquement, on va bien sûr pas commencer à tirer sur la comète, hein, bien sûr. Je crois que l'expression n'existe pas. Tottenham-Juventus en demi-finale, et oui, oui, oui. Alors City, c'est quoi Eh bien, c'est une équipe quand même contre qui on a plutôt des bons résultats, hein, c'est vrai. À part bah, la finale perdue en Ligue des Champions, c'était il y a déjà trois ans. Et oui, il y a trois ans, le 0 à 0 aurait pu, aurait pu euh, connaître sa fin, mais non. Voilà, City, on a décidé autrement. Et puis, euh, vous le savez, c'est Manchester United qui nous a battus l'année dernière. Maintenant voilà, on a Saint-Étienne. Il y a eu, euh, eh bien, des matchs internationaux. On voit que c'est euh, bah, des joueurs fatigués qu'on a récupérés. On va gérer l'effectif et on va partir donc pour ces deux matchs, les gars. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. En tout cas, ravi de euh, vous retrouver à euh, bien sûr. Hier, bah, un focus sur Perea hein, qui a encore euh, marqué des triplés, qui essaye de battre le record de Puchkass, euh, de Scoblar, pardon, en Ligue 1. Euh, il en est pas loin. Il en est pas loin. Il manque 9 but, euh, il reste encore des matchs donc pourquoi pas, ça sera en tout cas exceptionnel, mais là, face à saint étienne on va peut-être devoir euh, s'en passer, je vais voir avec les, bah tout simplement les uns et les autres hein, euh, pour l'état de forme, hein. Perea qui est dans une forme basse, hein. on voit alors il a le cœur qui est plutôt bien, mais le risque de blessure est élevé, il faut tout Gérer maintenant, alors Chichi les frais, ça c'est bon, Zamoraza, on va laisser Opara au, au repos, Sandoval, il est en fatigue basse, on va mettre Saliba, Antonio Silva à gauche, on va mettre Nana, même s'il est frais, il n'est pas affûté, donc on va l'envoyer, Zacharias lui revient, on a de la chance, Yesmer Abdi n'a pas joué, Bichante Mansour, on peut mettre un petit Giordano, qui, euh, bah dis donc, Giordano quand même en équipe de France, hein, il faut le dire, l'équipe de France entraînée par Léo Jardim, et euh, on a Mohamed Swahili on a Mohamed Souhaïlidi, oui 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 euh, quatre sélections, deux buts pour euh, ce joueur qu'on avait acheté à l'époque 43 millions d'euros maintenant à Mayence et qui est devenu, ben voilà un joueur de, de l'équipe de France quand euh, ben, on l'avait laissé hein, et ben, c'était un gars qui sortait pas mal en boîte voilà pourquoi aussi on l'avait pas gardé, donc Bichente Mansour on va le mettre ici euh, et Jude Bellingham on va mettre, euh, Ben Yaya je pense, à moins que je mette Kefren Thuram peut-être on peut mettre Kefren Thuram comme ça ça va être un petit peu mieux, à la place de Kazloskas on a un Fifi qui est fatigué, on a un de sort qui est fatigué, on a un Benya qui est frais, on va le mettre Perea, Lick, Lick, on va le reposer on a Team Mingana, où on a Grand Coff on va mettre Grand Coff, et euh, je vais faire jouer un petit peu Perea, mais pas beaucoup, oui quand même les gars, c'est pas parce qu'il y a une Ligue des Champions que le record il est à 36 buts les gars, il est à 36 buts, il peut peut-être nous voilà, nous, nous en marquer un ou deux on est à domicile, on va bien sûr faire tourner et on l'a dit, le match face à City va arriver très vite après, c'est parti ah oh, l'excitation de ces matchs là, en tout cas j'espère que vous avez pris votre place, rien de plus simple. Il suffit de s'abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça me soutient énormément. Pareil, le pouce bleu, là encore, ça aide beaucoup. Et puis, euh, bah voilà, on est bon, on est bon. Les sociaux, ils sont en loge. Ah, excusez, les sociaux, loge, avec Petit saucissons, petit fromage ils sont bien avec... Euh, voilà, boisson à volonté, au choix, les gars, vous pouvez vous servir. Et, euh, bah écoutez, on, on est bien, on est bien. C'est parti, Marseille Saint-Étienne, la préparation au match. Avec on l'espère euh, bah, tout simplement un, un match solide de nos, euh, de nos joueurs Pour essayer de, bah, de préparer au mieux le match face à City On reste quand même sur énormément de matchs euh, sans défaite Ça se joue là un petit peu, c'était euh, assez physique Perea sur le côté droit, Perea, le travail de Perea Le centre sans grand coffre à la première minute C'est pas un but de Perea mais c'est une passe de Perea Qui prouve encore qu'il est... Au-delà de tout, il est en forme, il est en forme, alors on va aller au classement, est-ce que le Paris Saint-Germain avait déjà joué Ah, j'ai pas vu le match, j'ai pas vu, Suarez qui va dégager au loin, la tête avec Ben Yaya, ben Yaya s'est récupéré avec Perea, Perea sur le côté, allez, il faut déborder, il faut déborder, Perea, Perea la huitième minute, et la remise C'est quasiment le copier-coller, la reprise de volée, et le deuxième but, huitième minute le numéro 8, tiens, hein, qui me fait penser, oui, 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 que pendant les trois prochains jours, lundi, mardi, mercredi, vous allez me retrouver de 15h à 23h. Et oui, on va faire un 24h, mais sur trois jours. Et oui, je suis plus tout jeune. Euh, C'est en live sur Twitch. Voilà, si vous voulez venir voir. Euh, ouais, 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 ouais. On va se régaler. On va se régaler. Le lien est dans la description. En tout cas, deux beaux buts de Marcus. Mais euh, ah, je suis dingue que ce soit pas Perra qui est marqué. Allez. Saliba Merapti avec Giordano Donaza Moraza. Voilà avec Perea, Perea encore une fois, le ballon. C'était, euh, c'était chaud. Où tu rames le ballon. Oh Le triplé, il est hors jeu. Le drapeau est levé. Le drapeau s'est levé même très très vite pour Marcus Grankov, Qui à mon avis va se voir son but euh, refusé. Il est refusé. Il est refusé. Et les Stéphanois qui célèbrent. Ouais, il y a que 2-0. Ouais, 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 Ça va, ça va, ça va, ça va. Doucement quand même. Doucement quand même. 6 euh, tirs de cadré Et ils avaient joué leur match. Ils avaient joué leur match. Le Paris Saint-Germain, ils l'avaient gagné. Ils continuent à nous mettre de la, de la pression. Le petit ballon avec Montes, Montes vers Crooner. Ah oh, oui, Crooner. La tête de Ruiz, la remise. Ah, il y a peut-être but. Oh, honnêtement, il y a peut-être but. Alors on va voir, on va checker. Euh, mais c'est pas impossible qu'il y ait but. Hein. Voilà, remise est bonne. Le but est accordé. 2 buts à 1. Ah, défensivement, on n'a pas l'équipe type aussi, hein. faut le dire, on n'a pas l'équipe type, donc on ne stresse pas. Perea la remise. Perea le contrôle, il n'était pas très bon, c'est Marcus Grancoff. Et il n'a pas réussi à, à se débarrasser de, de son défenseur, Zamoraza. Oh le contrôle, la défense de Zamoraza qui est passée, il est passé, il, est, il va centrer, on connaît la qualité de centre. Et on connaît aussi la capacité à foirer. Euh, Turam <laughs> petit ballon vers Antonio Silva. Oh nana, pique-toi, s'il te plaît. Euh... Allez, à la défense, à la défense, il faut l'aider. Nana, il est aux fraises. Nana, il est aux fraises, les gars. Ruiz qui est passé. Et l'arrêt de Chichi. L'arrêt de Chichi. Et Ruiz, il nous avait en rue. Mais, les gars, heureusement, c'est bien passé. Mwamba, le corner, attention. Hein. On était à 2-2-0. On avait marqué quasiment le but du 3-0, refusé. 2-1, on n'est pas loin d'avoir le 2-2. Attention, les gars. Attention à ne pas casser la dynamique de victoire juste avant le match face à City. Euh, C'est bien on domine Il faut continuer Est-ce qu'on va sortir Perea Il est quand même en forme Mais euh, je pense qu'à la 60 e On le sortira Je pense qu'à la 60 e On devra le, le sortir Avec Orford Tavares Jalo Oh la frapper l'arrêt de Chichi ah, 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 Il est vigilant Il est vigilant Il se chauffe Pour ah, le match euh, bah, Du quart de finale Qui va venir J'attends que ça Honnêtement je te le dis Je suis extrêmement tendu hein. Une arbalète les gars Tendu Tant de nu, tant Ouais, 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 ouais. Chez City, il peut tout se passer. On peut leur mettre une danse comme euh, ils peuvent venir nous, nous faire du mal. Nana. Ballon pour Grand Merapti, Nana. Turam. Merapti, le ballon Giordano avec Efren Turam. Le ballon capté par Suarez. Fifi, tout le monde est en forme. Hein. Team Mingala. On va mettre euh, attaquant avancé. Est-ce que je fais jouer le match entier euh, à Perea C'est la bonne question que je me pose quand même. Ah, oh, Perea, il vient de rater un but. Hein Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Ben Yaya, le pied gauche. Ça sera un corner qu'on ne verra pas. C'est le corner de l'autre côté de Saint-Etienne qu'on va voir. Par contre, et la tête sur la barre. Heureusement. Heureusement, heureusement, ça ne rentre pas. Euh, on n'est pas, pas au top, là, les gars. On pas au top. Alors Saint-Etienne, c'est une bonne équipe. Hein. Ouh, Jordano qui a pris un petit coup. Il s indique vouloir sortir. On va le faire sortir. On ne va pas prendre de risque. Et euh, Pas de but de Perea. J'aurais pu le mettre au repos. Il a fait deux belles passes décisives. Mais il n'a pas marqué de but. Aïe 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 aïe. Ouais, 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 ouais. 87ème minute. Perea leak, non. On va, on va tout donner. Euh Jusqu'au bout du côté de Perea avec pourquoi pas un but sur contre-attaque. Ernest Sal. Et c'est capté par Chichi. On a fait un match plus que correct, je trouve, quand même, malgré les Malgré le but encaissé. Zamoraza. Le petit ballon pour Zakaria. Zakaria Zorben Yaya. On repasse derrière avec Merapti. Merapti, le ballon. Euh, Saliba. Wap Saliba la boulette. Oh, et l'arrêt de Chichi exceptionnel. Oh, oh là 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 là, l'arrêt de Chichi. Long dégagement. La tête de Timmingana, ça va être dégagé. C'est repris Benyaï avec euh, Turam. Que d'erreurs hein, quand même Défensive euh, Vraiment Saliba C'est pas un gars Qui t'inspire la confiance hein. Zacharas, le petit ballon ah, Il était donné Il aurait pu faire mieux Avec Nadje Ballon euh, du côté de Nana Pff, Nana il est débordé Faut, pas, faut vraiment Qu'on ait pas de blessure euh, Sur Antonio Silva hein. Merapti Le ballon vers Nana La tête vers euh, Timmingana Nana Nana euh, Timmingana Timmingana vers Merapti Il nous reste 10 secondes avec Nana. Attends, mais il nous montre quoi C'était juste ça là. Le, on va marquer sur la dernière. Ce... Non, c'est tout. Ça, c'était un temps fort en fait. C'était un temps fort. Ok, ok. Pourquoi pas Pourquoi pas Après tout, pourquoi pas mais je ne l'ai pas vu, hein. en tout cas l'attaque. Et on reprend 5 points à l'avance. Il reste 7 matchs. 7 matchs pour marquer. Euh, eh bien 9 buts. Voilà, Walid Merapti qui a joué. Et c'est vrai que Perea, n'a euh, pas marqué. 16ème victoire consécutive. Marcus Grandcoff. Le doublé de Marcus qui, euh, 11 buts en 14 matchs. Ça monte, ça monte, ça monte en puissance. Euh, alors, gérer, on va mettre le 11. Opara, Maldini Sandoval, Antonio Zakas, mansur Bellingham, Casper oui oui, uh, Thuram, Saliba, Benyaya. On est bon là. On est bon. Euh, entraînement calendrier. On a quoi on a, du, on a du, repos, conversion d'occasion, esprit d'équipe, c'est intéressant. Et on va travailler les coups de pied Écoutez, c'est une surprise. Le matin du match, on va travailler les coups de pied Je me dis qu'on peut peut-être prendre le dessus là-dessus. Tanguy Strasbourg. Ah, il y Strasbourg qui enchaîne. Hein. Et, ouais. Strasbourg qui enchaîne et qui est premier d'ailleurs. Bah ouais, ouais, ouais. Depuis l'arrivée de, de Lefebvre. Ouais, avec Chico Cancelo. À hein. ne pas confondre avec Joao. Hein. Attention. Mais c'est vrai que le Rémi Tanguy là, il est en train de régaler 8 matchs directement à Strasbourg. Avec le Florian Lefebvre. Allez. et eh bien écoutez, on se dirige euh, vers Zizou là. Zizou qui va venir, euh, et bien tout simplement, après avoir discuté du journal, je pense qu'il ne souhaite plus quitter le club. Il est prêt à rester au club. Eh ben voilà Eh ben voilà, joueur vedette. Joueur important. Joueur vedette. Joueur vedette, 5 ans, 512 000 euros par mois. Allez, 477, on n'en parle plus. Allez. Allez, on n'en parle plus. 477, 512. Allez, 477. Allez, on n'en parle plus. Pourquoi Sinon 500, on met 500, on arrondit à 500. Non, pas 500 milliards là, 500 000. 500 000. Voilà, 500 000. Qu'est-ce que t'en penses Et c'est ok. 500 000 pour Jules Giordano, qui touchait 212 000. Il signe pour 5 ans, il est ré... Voilà, Jules, il a voulu partir, il est maintenant en état d'esprit euh, préoccupé. Il, ouais, il veut un nouveau contrat, soit d'avance de séance de technique défensive. Mais euh, voilà, ça y est, ça y est, je le savais que Juju. Il lui manquait pas grand chose, les gars. Il lui manquait pas grand chose. C'était, euh, voilà, c'était le manque. Euh, oui, voilà, il avait peut-être eu un manque de confiance en soi. Il a eu la, les sirènes d'un grand club. Il s'est vu plus beau qu'il n'était. Qu il il s'est vu plus beau qu'il n'était. Gavarin, Montpellier. Ouais, pas mal aussi, Montpellier. Gavarin, ça joue très, 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 très bien. Allez, City. Putain. Imagine, on prend 3-0. Imagine, c'est pas notre saison. Imagine seulement. Après, on a construit une affective. On a travaillé pour. On a refusé des ventes pour avoir ça. On a un Sorinli qui est tueur. Kozlowski, il est là aussi dans les grands matchs. Beniaya, qui peut peut-être nous apporter, tout comme Fifi, tout comme euh, Giordano, qui peut nous apporter en remplaçant. On a un Mansour, à tout moment, son pied gauche s'ouvre et il nous, dé il nous détruit une défense. Voilà ce qu'il faut se dire. Voilà ce qu'il faut se dire. Et retrouvailles entre Zacharias et Zizou. Et on va aller en conférence de presse. Quelle est votre réaction suite aux déclarations de Zidane qui va se retrouver face à... Ouais, je peux vous dire que Zacharias attend également cette rencontre avec impatience. Vous en rapportez vos 4 derniers matchs face à City. Attendez-vous de l'impotence aux statistiques Non, il euh, ne faut pas prendre cette rencontre à la légère. Au moment d'aborder ce match à aller contre une équipe à priori d'un niveau comparable au vôtre, pensez-vous que votre équipe saura se sublimer devant son public et obtenir un résultat positif Oui, bien sûr si on joue comme on sait le faire, on aura un résultat positif. Attendez-vous que les joueurs qui continuent soient lancés dans dernier match Oui, 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 il va falloir. Euh, voilà, il va falloir euh, continuer. Cette rencontre avec un esprit conquérant, on va attaquer dès le coup d'envoi. Comment Marcus Dancos réagit-il à l'intention médiatique de plus en plus grande portée à ses attentions Il est bon. Euh, non, il, je lui dis de pas prêter attention à tout ça. J'espère qu'il y parviendra. Certains détracteurs ont souligné le nom important de joueurs de votre club en près dans d'autres équipes et vous accuse de trop recruter. Non c'est pour flancher un palier, c'est de prêter. Pensez-vous que les qualités propres à Zakas pourraient faire la différence face à City, bien sûr. Euh, votre circulation de balle attire de nombreux commentaires positifs. On va continuer, bien sûr. Entre l'équilibre passe, mais aussi l'offensive Bayern Munich, Newcastle, Chelsea, Manchester United. On va regarder avec beaucoup d'impatience ces matchs-là. Et c'est Newcastle et Manchester United qui, pour l'instant, prennent l'avantage. Maman, ils font peur, hein, ces deux clubs. Notamment Manchester United, on connaît, on connaît Hendrick on connaît tout ça. Et euh, ce qu'on connaît, c'est qu'on aimerait une, une finale, les gars, une finale, une magnifique finale de Ligue des Champions. C'est ça qu'on rêverait encore. Alors, c'est que quand on regarde euh, 2,23 pour euh, 2,23 passes clés à 1,97, 0,23 passe décisive à 0,46, 82 pourcentage de passes. 80. 3-0-8 tirs par 90 minutes, 3-33. Et là, on a des passes. Est-ce que... Euh... Est-ce que le coup de Trafalgar, ce serait pas de mettre Fifi titulaire Est-ce que le coup de Trafalgar, ce serait pas de mettre Fifi titulaire à la passe de Kazoskas Après, Kazoskas, il est toujours bon dans les gros matchs. C'est un peu le truc. Euh... Tu vois, c'est un peu le truc. Il y a un peu plus de physique, il y a un peu plus de vitesse, mais il y a moins de jeu aérien de technique. Écoute, il y a une équipe type. Elle est prête. Elle est construite pour ça. Elle est étudiée pour ce match-là. C'est parti. On se sur 12 possibles Ah bah t'inquiète pas qu'on va le faire. C'est qui C'est Théo Hernandez. On va, mettre, euh, on va mettre Hamza Ben Yaya. Voilà. Validé. C'est parti C'est parti Quart de finale Allez Putain, Eusima, Rod, Francini, Gonzalez. 4 c'est monstrueux. Phil Foden. Allende, Martinelli, Yaya. Je crois en vous les gars Vous pouvez faire la différence Et les attaquants pareil hein. La différence La différence les gars La ligue des champions On y est Le money time Le quart de finale Allez Le retour ce sera demain 18h Ne pas rater les gars Ne pas rater ah, Ne pas rater Surtout pas Surtout pas Surtout pas Putain Ouais, quelle équipe, quelle équipe vraiment! On m'a dit, faut pas chanter, sinon tu vas avoir un mauvais tirage, tu vas avoir des mauvais trucs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. De Champions! Et qu'est-ce que tu vas faire, le mauvais sort? Qu'est-ce que tu vas faire? On est préparé, on est programmé pour ce match. C'est parti, euh, Marseille, Manchester City. Et euh, c'est chaud Ça va être chaud on va, on va en demander plus Allez les gars Allez les gars Avec Phil Foden, Le ballon second poteau Bellingham qui dégage Francini La remise vers Phil Foden. Il y a beaucoup d'espace Le centre second poteau Yaya Il va revenir derrière Il y a de l'espace Avec euh, Bissiki Et c'est repris par Lix C'est remis Oh le but Daphis Un véritable coup de

Zakaras peut-être une deuxième chance. Attention à ne pas perdre ce ballon par-dessus. Franchini dans les bras de Taladas. Putain. perd un zéro les gars. Taladas, long ballon devant. La tête de Maldini. Avec Mansour qui ne récupère pas. Le ballon ça circule bien. Foden. Oh là là c'est le Brésil. C'est le Brésil. Oh. oh là lolo là, là, là. C'est pas possible. C'est pas possible. Et on n'a pas le ballon. Hein. Francini, Je vais critiquer l'équipe. Hein. Rodas, je suis en rogne, les gars. Gonzalo. Gonzalo, la récupération de Jude Bellingham avec Lick. Ah, Lick, la perte de balle. Oh. Mansour, Kazloskas. On repasse avec Zacharias. Opara. Ballon d'Opara, Opara, Opara toujours, le bon ballon vers Bellingham, Bellingham, le centre, lick la tête Oh c'est pas possible avec Perea la remise Antonio et c'est capté par euh, Taladas. Oh la goal line, la goal line les gars, c'était à deux doigts de rentrer. Putain, on est un petit peu mieux là mais... Ah euh... oh, le match de... De merde le match de merde là. On ouais, va avant la mi-temps. C'est investir, on est un peu mieux. Mais là, les gars, oh, 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 oh Je veux voir autre chose là. On va passer en mini-résumé. On va essayer d'étudier un peu plus. Leak, Mansour, le ballon pour Antonio. Antonio sur le côté, le centre. Perea, mais c'est pas vrai il était hors-jeu, il était en jeu et Bellingham qui a pris un jaune. Le ballon vers Francini sur le côté droit, il est passé, Francini, le centre, la tête d'Allende. Allez, on va, on va, on va, on va, on va encourager. Perea, le ballon vers Opara, Opara remis vers Perea, Perea, le ballon casse, los casse, oh là. T'es pas, pas très loin d'une surprise là. Taladas. Taladas, le long dégagement devant. Allez, tranquille, voilà, au para. Et ouais, c'est bien, Mansour. Le ballon pour euh, Perea, c'est le contrôle poitrine. La reprise, l'arrêt de Taladas. Il est pied droit, Lick. Il est pied droit. Antonio, avec Lick. Antonio, le bon ballon vers Soren Lick, t'es mis dans la boîte. C'est dégagé. Sandoval, le contrôle. Avec Antonio, il est passé le ballon pour Lick. But, sort sur son pied gauche. Mais oui, mais oui, tout simplement fabuleux. Oh, oui, Richard, regarde ça, tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Il est de retour, il est de retour. Et oh. oui, oui, il n'est pas en jeu, il est à la limite. Toujours à la limite. Il est comme un poison. Il est caché, les gars. Voilà. Il est caché. Il est caché. Il surgit là. Et putain, le match de Perea dégueulasse encore une fois. Au la remise sans Noval. Perea, c'est un joueur Ligue 1, les gars. C'est ça le problème. C'est que c'est un joueur qui, lors des grandes confrontations, se... Se... se délite. Le mot est utile, les gars. Délite. On va voilà, Délite au para le ballon pour Perea. Perea la fraude. Perea. Le ballon retrait. Bellingham. Je fais entrer Fifi. Zacharas qui fait pas un bon match. Bellingham, il fait un bon match, mais le jeune est fatigué. On va faire entrer euh, Juju ou Palacios. Palacios. Palacios, je vais laisser un peu de temps encore à, à Perea. Allez, 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 allez. Je veux apporter un petit peu de 109 là. Sur les, notamment euh, l'aspect transition avec Bellingham et du coup la rentrée de, de Palacios et de Fifi. Perea, il était pas en jeu. Perea, le, le ballon s'est remis. Le Sando part à la tête de Ligue dans les bras de Talados. Ou Taladas, on sait pas. Putain. C'est pas comment il s'appelle ce gars-là, mais il nous arrête des tirs, ça c'est sûr. Osimar, le ballon vers Gonzalez. Victor Roquet, la tête est derrière. C'est bien joué. Et on a euh, un, Perea, euh, un Perea. dans le dur. Mansour. Antonio. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Leak est là. Ouais, avec Antonio, c'est bien. Le dédoublement. Propose-toi. Voilà, on repasse derrière. C'est pas mal avec Leak. Non, Leak. Non Heureusement, Sandoval fait le travail. Mais Leak a du mal à se retourner là. Hein, sur euh, le pressing. Euh Très difficile. Oh, là, oh le très bon ballon. Le très bon ballon. La frappe, elle était magnifique. Ah, oh mais leak... Euh, ouais, oui, 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 oui. Il y a des pertes de balles. Mais voilà, il y a des dangers, il y a du danger qui a apporté. Zacharias, le ballon pour Fefi, Le ballon en dessous. Bien sûr. Bien sûr. À la 70e minute. Oh et Fifi, Le ballon monte sur ses contrées. Regarde-le comment il saute haut Il saute haut Il s'envole Perea qui va sortir, Grandkov qui va rentrer. Giordano à la place de Zacharias. Le problème c'est Antonio, on peut pas trop le remplacer par quelqu'un là. On a du Saliba, on a du Kefren. on va déjà faire ça et on sera bon. On oh, sera bon les gars. Allez 2-1, 2-1. Calmez-vous les gars. Calmez-vous les gars. 80e minute, 82e minute, 83e minute. Mansour Merapti. Il est cramax, il va au bout. Je vais faire rentrer Timingana. on va échanger les deux postes. Non j'annule le remplacement Non j'annule le remplacement Je voulais sortir Leak, mais c'est pas possible C'est pas possible de le sortir Allez le ballon il faut, faut pas s'en prendre à maintenant Jules Giordano le ballon pour Antonio Sandoval, Antonio le petit piqué Fifi la tête Sandoval, Antonio il faut l'aider Il faut l'aider, aidez-le bordel Antonio Mais mettez moi ce ballon devant bordel de merde Voilà avec Fifi retourne-toi Retourne-toi fait comme Benoît. Putain, voilà, les mans sourds. Oh putain, la mauvaise balle. Oh, pas de... là Oulala, Jordan. Oh, para. Oh, le petit ballon, c'est pas mal. Fifi. Putain, bouge-toi le fiac. Euh... Ballon vers Francini. Le ballon vers Victor Hockey. Et l'intervention de Sandova. La reprise, ce sera un corner. Ce sera un corner. Phil Foden. Oh, chichi. Oui, Lily, ou oh, pas. Chichi. L'arrêt de fou. Mais il se fout de ma gueule ou quoi là Complètement bourré le type Oh là, là 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 Chichi Qui vient de faire deux arrêts monstrueux Putain, les sorties de balle de Chichi sur corner, c'est un truc hein Oh là 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 Au para Avec Palacios Palacios vers Giordano Giordano, Fifi, Mansour Mansour, le petit ballon par-dessus, c'est tellement mal donné il y a aucune volonté de faire mal, les gars il n'y a aucune volonté de faire mal. Victor, ok. Victor, ok. Le centre, c'est un corner. Ça pousse. Il reste 40 secondes. Il va rester 30 secondes. C'est dégagé. Avec euh, Enkili. Il y aura un nouveau corner. C'est fini, monsieur l'arbitre. C'est terminé. C'est terminé, les gars. Phil Foden et Chichi qui capte. Terminé. Monsieur l'arbitre, c'est fini. Bon. Victoire de Buzyn. 2,97 d'expecté au 21 tirs, 10 cadrés. Mais le match a été dur. Le match a été compliqué. Euh, ça a été compliqué. On gagne 2-1. Et Lick, qui est homme du match, bien sûr. Alors qu'on affrontera Monaco en finale de Coupe de France. Euh, Lick sonne la charge. Ouais, il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel. Eh bien, écoutez, on va sauvegarder là-dessus. On va se retrouver demain. Quart de finale retour, oui, 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 quart de finale retour, c'est demain à 18h. On attend, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Soranik, 28 ans, encore là dans les gros matchs, encore là dans les gros matchs, les gars. Et oui, il faut le dire, en Ligue des Champions, en Ligue des Champions, on dirait en tout, euh, vu d'ensemble, qui est derrière Hendrik en meilleur buteur Et eh bien, c'est lui. 14 buts, 14 buts pour monsieur Soranik. Eh oui, il est là, il est là, il est là. Allez, je vous souhaite à tous encore, à tous, euh, encore une fois pardon, une bonne soirée. À demain, 18h, pour le retour de quart de finale. Avec un match face à Metz aussi au milieu. Ah ouais, ouais, Metz, là où était passé d'ailleurs Mohamed Sohali, on l'avait prêté à l'époque. Allez, à demain, 18h.